Du 26 avril au 6 mai, Pornichet honore l'Écosse et la Bretagne en consacrant une exposition exceptionnelle accueillant la tapisserie de la bataille de Prestonpans. Présentée dans le hall des paris de l'hippodrome de Pornichet, l'exposition est consacrée à l'histoire de Bonnie Prince Charlie et à l'insurrection jacobite de 1745. Cette exposition, qui est en fait une tapisserie, relate les aventures du prince Charles Edward Stuart en 1745 et 1746. C'est l'héritier de la famille Stuart. Il vivait en Italie et avec le soutien du roi de France Louis XV, il a tenté de reconquérir les deux trônes d'Écosse et d'Angleterre. Il a séjourné, non pas dans le château, mais dans la ville de Nantes, symbolisée par ce château des Ducs, et Saint-Nazaire, donc le vieux Saint-Nazaire. Là, c'est vraiment la bataille. Les soldats anglais, donc les tuniques rouges, qui sont là et qui vont se trouver face à l'armée écossaise. C'est une fin malheureuse pour les Anglais, mais heureuse pour les Écossais. Malheureusement, comme toute chose, ça n'a pas duré, puisque peu de temps après, ça a été la défaite. Mais au fait, quel lien avec Pornichet et sa région? Nous sommes à Saint-Nazaire car c'est ici que le prince a entamé la reconquête du trône pour son père. C'est à Saint-Nazaire et Pornichet qu'il a établi sa base et pendant un an, il s'est efforcé de trouver des bateaux et a finalement pris la mer pour se rendre en Écosse. À l'occasion de la journée des brodeuses, nous avons rencontré Céline Lebels, meilleur ouvrier de France 2007, qui nous présente ses travaux. Moi, je travaille beaucoup pour les costumes traditionnels. C'est une grande partie de mon travail, mais ça peut être aussi de la décoration, du textile liturgique ou du vêtement historique. Déjà ici, j'ai mon ouvrage Meilleur ouvrier de France, que j'ai fait dans une technique qui s'appelle peinture à l'aiguille. Mais c'est de la broderie, ça consiste à imiter la peinture. Ici, c'est une autre création que j'ai faite l'été dernier, à l'occasion d'un concours organisé par l'ICB sur le thème de la naissance des îles du golfe du Morbihan.